Bonjour et bienvenue à Revin au Festival Contrebande. Un festival exceptionnel. Pour la famille. Pour les touristes. Avec des spectacles merveilleux, on n'en a pas vu un. Oui, ça va être sympa. Et des alouettes qui ne sont pas des majorettes. Non. Alors attention, si vous venez à Revin, ne vous attendez pas. L'alouette est une majorette en survêtement rouge. Voilà. Et avec du soleil surtout. Mais... du soleil. Donc, allez. Au revoir et à bientôt à Revin au Festival Contrebande. Oh, vous êtes doués pour les jingles. Ah, ça, le jingle. Là, jingles. Un bon matin, il se décide d'arrêter ses raquettes perchées. Il jette un coup d'œil dans la vie, il a le vertige assuré. La corde vacille son poids des ailes passées sur ce câble géant. Il accentue le mouvement, la corde tend dangereusement. Et puis il saute, les yeux ouverts. En chute libre dans l'univers, en cosmonaute dans l'étoile, en albatros de Kermanagh. Il ne se fait même pas de bile, mais sous ses ailes, les cordes défilent. Défile par mille et par milliers, et de fil sans aiguille, le corps va sauter, l'oiseau tombe et glisse, en chute de corps léger. La majorette doit être évidemment en petite tenue. Il va falloir à un moment donné que le caméraman peut zoomer vers le bas. Attendez, je finis l'explication d'abord. Alors, il fait froid, d'accord. Vous mettez la mini-jupe, les barésies. Ça a l'air bon. Hein. Et vous mettez, maintenant, zoomer, dézoomer, tourner en bas, tac, dézoomer, crac, la gaine, Damar. Vous voyez. Enfin, Damar ou pas Damar, c'est pas la marque, on s'en fout. Hein. C'est une marque chaude, en fait. Il faut du chaud. En fait, globalement, il faut du chaud. Vous voyez. Aujourd'hui, j'ai tué un Allemand. C'est la première fois que je prends une vie. Je suis en état de choc. J'ai fait feu et touché l'homme dans l'œil. Il est tombé comme un pantin dont on aurait tranché les ficelles. Mon amour, si je viens à mourir, voilà ce que tu feras. D'abord, tu auras et conserveras beaucoup de calme. Tu garderas ton sang-froid et tu ne t'en iras pas dans les rues en criant ton désespoir. Ta douleur sera calme et digne. Te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures dans une tranchée des premières lignes, et alors que nous finissions la soupe, les Allemands se sont amenés dans la tranchée et m'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades, et ensuite j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Ma petite Lucie, encore une fois, pardon. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. Thank you.
fa sol 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 ré mi. Un peu d'huile parfumée, ne vous déguez chat pour madame et pour monsieur du jeu, des trucs qui vibraient des fantasmes. Pêche au canard de la compagnie des alimenteurs. Ah, la seule pêche au canard où on ne gagne rien. Alors, il y a aussi des canards boiteux. Oui, des malades, c'est les pâles. Il y en a quelques-uns. Les canards boiteux, ne les pêchez pas. Et les canards dépêchés, ils ont autre chose à faire que se faire pêcher. Thank you.
on y va. Alors les filles, vous êtes prêtes? À la une, à la deux, à la trois. Les garçons. Les filles. Les garçons. Les filles. Les garçons. Les filles. Ouais! Mais ouais, après tout! Tant pis pour l'amour propre! D'ailleurs, l'amour, c'est pas propre! Et d'ailleurs, j'ai cette petite question, mesdames et messieurs. Restez bien concentrés. En amour! Mais des enfants, je suis sûr que vous pouvez répondre. En amour, qu'est-ce qui est le plus rude? Nos propres hommes nous admirent pas, moi qui sont les autres. Lui, il nous admire aussi. Hein. Alors, il court pas au bout, il court capable de se tomber, de se casser la figure. Il peut encore la faire tomber. Eh, hey, il appelle seul qui connaît une chanson italienne pour accompagner mon striptease. Oui, qui connaît une chanson italienne? Non, italienne. La chante di cantare. Qui canta? Si, c'est très bien, très bien, très bien. Vai, 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 lasciatemi cantare. Vai, vai, tutti, tutti, allez, va, 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 va. Uno, due, tre. Lasciatemi cantare. Perfetto, va, 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 va. La chante se boire, à la vin comme ailleurs, on boit la fleur de l'oiseau. Allez, taille, 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 encore, il y a deux couplets, hein. Une, deux, trois, la chante mi cantare, la 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 la. Pas fini, hein. Attention à la chanson, quoi. Il y a là-bas un spectacle assez extraordinaire, c'est le spectacle de Luc Amoros, La Page Blanche. Il a déjà été présenté à Charleville au Festival de Marionnettes à la fin, sur la place du Cal, et actuellement ils reviennent d'une tournée en Australie, où ils ont passé l'hiver là-bas. Là-bas c'était l'été pour eux. Voilà. Donc ils reviennent en été. Ils reviennent pour le fait que les artistes font de belles œuvres et ensuite ce sont des financiers qui les récupèrent pour en faire des affaires. Voilà, donc là c'est un peu le sens de ce son spectacle. Ah ben le voilà, tiens. Eh ben je vous présente Luc Amoros. Je viens de parler de toi pendant un petit moment, si tu veux te présenter un peu. Et... Non, j'avais pas prévu. Hein. Je pense qu'en voyant notre spectacle ce soir, vous en saurez beaucoup plus sur nous. Moi, je ne suis pas très important, ce sont les comédiens, chanteurs et musiciens, les peintres qui vont œuvrer devant vous, qui seront à voir. Moi, je suis dans l'ombre, mais j'entends y rester. Tu es venu dans la lumière à Revin depuis longtemps, quand même. Ouais. Par contre, j'ai un petit sentiment pour Revin particulier, puisqu'effectivement, on a quasiment commencé notre carrière ici. Il y a les 30 ans, on va dire. Et on est toujours aussi bien accueillis, on peut le dire. Et en toute sincérité. Merci beaucoup. Je t'en prie.
Des Francs, Pépin le Bref, donne les terres à l'abbaye de Prume, qui crée ici le prieuré Notre-Dame de Ruvignaux, sur la rivière de Meuse. C'est le pays de l'Aumance. Le prince de Colimée, fils naturel de Pépin le Bref, a résidé à Revin, au château de la Close. En empruntant la ruelle qui a gardé son nom, Colimée allait faire ses dévotions dans la chapelle, dont on trouve la trace dans le vieux cimetière. 1872, le couvent est occupé par le presbytère, les écoles, les logements des instituteurs et par des privés qui entreposent du bois et de la paille. La ville essaie de racheter ses locaux pour éviter les incendies. Malheureusement, dans la nuit du 10 au 11 mai 1886, le clocher, le toit de l'église, le couvent, le presbytère et le collège brûlent. À 3 heures du matin, il était signé. Pas de pompiers, seulement 4 pompes appartenant à la commune. Puis arrive une pompe de l'usine Fort et une autre pompe de l'usine Morel. Et pour les manœuvrer, des citoyens de bonne volonté. Mais le couvent, faute de connaissances suffisantes, tirait parti de leur louable activité. Tout revint aussitôt et sur pied, car en moins d'un quart d'heure, l'embrasement est devenu général. On ne comprend même pas comment, en si peu de temps, il a pu prendre une extension si grande. Les flammes sortent des fenêtres et lèchent les murs. Les toits s'effondrent avec des craquements sinistres. Les étincelles jaillissent de toutes parts. De sinistres lueurs rougeâtres planent sur Revin et éclairent au loin les collines au pied desquelles est assise cette petite ville. Tout à coup, un bruit épouvantable. C'est le clocher qui s'affaisse et les cloches qui viennent s'affaler sur la toiture de l'église. Devenu un immense brasier. Puis, c'est la croix qui fait une trouée dans le plafond au-dessus de l'orgue et s'abat sur les dalles près du bénitier. L'effroi est général et l'incendie continue toujours. Ce n'est que vers 8 heures qu'on peut se rendre maître du feu. En ce moment, il supporte un vaste brasier dans lequel, affirme-t-on, les cloches se sont fondues. Quant au pâté de bâtiments formés par l'ancien cloître et comprenant les logements de familles nécessiteuses, le presbytère, l'école des filles, il est complètement perdu.
que l'église. Il ne reste que l'intérieur, assez bien conservé. Les orgues ont peu souffert et les admirables boiseries n'ont pas été atteintes.